Et arrête tes les gens. Et oui, je sais, c'est la troisième vidéo de la journée. Je vous publie ça au fur et à mesure que je fais le montage et l'encodage. Mais aujourd'hui, c'est let's play improvisé sur Lossy. Et ben, c'était pas prévu, c'est tout le principe de faire un let's play improvisé. Mais ça manquait un petit peu sur la chaîne, les let's play. Donc ce que je vous propose, et ben, c'est qu'on continue l'aventure. J'ai juste faire un petit réglage au niveau des paramètres. J'avais l'impression que le volume de la musique et des effets était un petit peu élevé sur la deuxième vidéo. Alors sans doute une impression, mais je vais tout baisser d'un cran, comme ça, voilà, je serai sûr de ce que j'avance. On va continuer, alors on devait bouger d'île, hein, il me semble. Il me semble qu'on devait bouger d'île parce que la progression a été, perdue. C'est possible. Alors nous voici avec nos trois comparses. Les caisses ont été cassées. Alors ça, on l'avait visité. Est-ce qu'on peut bouger ou est-ce qu'on va devoir revisiter l'île? On va devoir revisiter l'île. Et ben, écoutez, je sais même plus si on s'était arrêté sur une île ou une autre. C'est parti. On a nos compagnons qui nous suivent et puis on tape. Allez, hop. Alors moi, j'entends pas le son, mais normalement vous en avez, j'espère. J'espère que vous en avez. Normalement c'est bon. Alors tu vois, t'es pas gentil. Ils se sont tapés dessus, hein, les deux. Hein. On a vu. Hein. Toc, toc, toc. Alors c'est pas la même map, hein, effectivement. On n'avait pas autant de dinosaures. Comment ça se présente? On va aller à gauche. Est-ce que c'est la bonne gauche? Oui, c'est la bonne gauche. Hop, ouais, parce que des fois il y en a plusieurs, hein, des gauches et des droites. Ok, j'entends un petit peu de son dans mon oreille, donc ça doit être pas mal au niveau de l'enregistrement. On doit être bon, en espérant qu'on n'ait pas un bruit blanc. Ça arrive parfois quand mes paramètres sont remis à zéro, hein, ça arrive. Je sais pas ce que fait Windows, il veut pas les conserver. Mais bref, on va aller se promener. Et tout ça à la queue le lot, on fait la farandole. Et on va voir si on découvre de nouvelles choses. Alors, on continue. On prend le coup de main, hein, on progresse. Ici, on a un coffre. On va essayer de faire le tour pour pouvoir accéder à la plateforme. On perd pas de temps, là. On est au taquet. Alors, je vous rassure, hein, je fais des pauses d'une vidéo à l'autre. Alors, j'en ai deux qui sont empoisonnées. J'ai joué comme une buse. Je fais des pauses, j'ai le temps de faire mes courses, etc. Parce que sinon, j'aurais pas le même entrain, hein, si je les avais enchaîné d'affilée comme ça. Et heureusement, je fais des petites pauses entre temps. Yes, un coffre à déverrouiller. On a deux emplacements maintenant. Bah écoutez, c'est la même chose. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va s'en servir dès qu'on va croiser quelques adversaires. Comme ça, on sera fixé. Donc le tonneau, on va éviter d'exploser. Donc il n'y avait rien d'autre, hein, ici. On fait le tour en longeant les murs. Ça, c'est de la radioactivité, du poison, mais bon, c'est pareil. Hop, c'est nocif. Hop, c'est chimique. Ah ouais, H2O aussi, c'est chimique. Hop là. Faut pas confondre le chimique et le toxique, hein, ça n'a rien à voir. Hop, ce qui est chimique n'est pas toxique. Hein. Moi, je suis composé d'atomes, je suis chimique. Tout est chimique autour de nous. Bref, enfin bref. Dans le jargon populaire, on sait ce que ça signifie. Bref, on va pas jeter des cailloux, encore moins des rochers aux gens qui emploient ces expressions. Mais tant pis pour eux. Ici, ils ne font pas la différence. Alors, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est comme tout. Hein. Hop, alors, si personne ne nous l'apprend, nous l'enseigne, on ne peut pas savoir. Ça aussi, il faut apprendre, c'est tolérant par rapport à ça. Yes, donc ça, c'était la petite leçon philosophique de la journée. Tu parles d'une philosophie, PMU, quoi. Philosophie de comptoir. Allez, on continue à progresser et on a deux accès. On va essayer d'aller relativement vite. Sans pour autant bâcler le travail. Donc ici ça descend. Pof, pof, je sens qu'on va tomber sur 2-3 monstres. Tiens, on va profiter des escaliers pour progresser dans notre ascension. Oh bah non, mais il faut pas que je tape là-dessus. Là je vais faire demi-tour si je vais par là, donc on va pas faire demi-tour. C'est pas intéressant de faire demi-tour. On a quelques buissons ici qui nous indiquent que nous sommes pas passés de ce côté-ci. Et voilà, alors eux ils foncent. Hein. Eux ils foncent, tac, 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 tac. Je t'ai eu. Alors eux ils foncent aussi. Oh purée, j'avais pas vu la plante. Donc attends, je te dégomme. Voilà. Ah, voilà, elle a cassé le buisson et ça a été arrêté par le buisson. Est-ce que j'ai le temps de la frapper avant qu'elle me frappe? Oui. Donc on est pas mal. Tiens, on va en profiter
pour grimper aux escaliers. Ça, c'est des sous-sous. Non, bah non, c'est pas des sous-sous. Hop, li, hop, l'eau, hop, là. Là, est-ce qu'on a quelque chose de caché dans mes fourrés? Allez savoir, je ne sais pas. Par contre, j'ai perdu de la vie, là, comme un gros gueudin. Hop, li, hop, l'eau, hop, là. Donc, il va falloir que je me régène. Oh, purée. Alors, ce sera peut-être la dernière vidéo hein, du Let's Play. Hein. Si je meurs, j'en fais pas d'autres derrière. Hein. Je recommence pas depuis le début. Alors par contre, il va falloir que je fasse acte d'un petit peu plus de prudence si je veux survivre. Là, on a un gros vilain. On va pas aller le voir. On va essayer de se régénérer avant. C'est l'occasion tiens, de tester hop, l'adrénaline. Donc ça me fait pas récupérer de la santé. J'ai l'impression que je suis plus rapide. Oui, hop, oui, je suis plus rapide. Mais si je commence à taper sur mes compagnons, ça va pas le faire. Donc là, on a une tablette. Que quelqu'un la prenne, s'il vous plaît. Hop, donc déjà on peut quitter l'île. Donc un petit peu de vie, ça fait pas de mal. Hop, donc on sait que c'est de l'adrénaline maintenant. La petite seringue, on avait deux fois l'option. Hop, taper dans les buissons, ça je le prends avant que ça disparaisse. Toc, on est où au niveau progression là sur la map? Je vais prendre ça avant que ça disparaisse également. On a fait le tour. Hein. Non, il nous reste un accès à visiter. Alors, il me faudrait de la vie. Hein. Oh mince, bah oh là là! Oh là là, eh, ça va être foutu. Hein. Oh là là, comment j'ai plus de vie? Comment on va éviter... Ah là là, oh, un coup je suis mort. Un coup je suis mort. Allez, donne-moi de la santé. Donne-moi de la santé maximum. Oh bah non. Ah bah non, ça le fait pas ça. Ah non, ouais, je suis en train de tourner un troisième épisode, ça va être la fin. Oh oui! Oui! Juste ce qu'il fallait. Oh la vache, yahoo! C'est reparti. Allez hop, on est refait. Toc, toi pousse-toi de mon chemin, prends la tablette par contre Michel. Michel, prends la tablette. Voilà. Est-ce qu'on fait le tour? On va faire le tour plutôt que de sauter de ce côté-là. On a eu de la chance. On a eu un sacré bol quand même que de trouver de la vie à cet endroit-là parce que sinon c'était terminé. Hein. Et 5 minutes d'épisode, ciao bye bye. Oh, bah, je vous l'aurais pas publié. J'aurais été vexé, je pense. Légèrement, donc ok, ça nous aurait ramené ici. On va essayer de faire gaffe là. J'ai voulu me précipiter, c'était pas la bonne initiative. Ça, écoutez, il y a. Ah si, voilà, c'est radioactif. On va pas y aller. Au niveau de la progression, il nous reste quelque chose là-bas. Alors toi, tu dégages. Tac, 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 tac. On a un deuxième dinosaure. Voilà. Oh, on a eu les deux. Oh, il est pas mort. Alors, c'est un monster éléphant. On va essayer de se faufiler. Si vous pouvez vous mettre un petit peu dans l'alignement. Passez, 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 passez. Oui, c'est bon. J'aurais pu faire le tour. J'aurais pu faire le tour apparemment. Je ne l'ai pas fait, c'est tant pis, mais c'est heureux puisque mes camarades ne se sont pas fait toucher justement. Donc on est full life. Progressons, on va se coller sur la gauche. Tiens, regardez. Est-ce que là on n'aurait pas un secret ici? On a une boîte. Hop, top dans la boîte. Des sous-sous. C'est vrai qu'on peut améliorer encore notre personnage. J'essaierai bien différentes actions là, des coups supplémentaires. Alors, il me semble que j'ai tous les personnages qu'il me faut. On n'est pas en train de faire demi-tour. Non. On va aller tout droit. Attention. Je me méfie. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. On arrive dans la nouvelle zone. Nouvelle hexagone. Je vais serrer à droite. Bah non, je vais pas serrer à droite parce qu'on retourne au campement sur les docks. Donc je vais serrer à droite, mais du bon côté de la bonne droite. Tiens, regardez-moi ça. Voilà, voilà. Et l'autre, voilà. Ok, on les a gérés. Ils se prennent des coups, hein, mais ça a pas l'air de leur faire perdre de la vie. Du moins, ou alors je les frappe pas suffisamment fort. Là on a du dragon. Oh là il y a du monde. Oh là il y a du monde. On aurait pu retourner au dock. Ok, on a la plante qui est là-bas. Donc si je me mets dans l'angle, normalement elle peut pas me toucher. Vous allez rester derrière moi. Alors c'est dommage qu'on puisse pas leur dire de rester dans un coin. Pof, voilà, t'es mort. Toi le petit dragon. Pof, mince, je l'ai pas eu. Par contre, ce serait bien de l'avoir. Un coup d'un seul. Je vois le géant là. Qui est dans son coin. Tu vois, viens ici, il s'échappe. Hein. Ah, le malin. On n'a pas la clé, il est pas mort. Et ils sont costauds quand même. Hein. Les, j'allais dire les facochères, mais c'est pas un facochère, c'est un éléphant.
comment on appelle ça, le pachyderme, voilà. Et j'ai perdu bêtement de la vie. Et pas mort. Hop, et poussez-vous là. Récupérez la tablette. J'ai perdu de la vie bêtement. Là, on a un petit crâne là-bas. Parce que lui, on ne laisserait pas dans sa mouise. On pourrait le laisser dans sa mouise. Toi, je te... Voilà. Ok, c'est fait. On va revenir. On arrive à prendre des fous, mais ils ne perdent pas de vie. Donc écoutez, tant mieux. Alors, ça ici, un petit peu de life. Ce serait bien, on n'a pas trouvé d'arme magique hein, encore. Ça ne saurait tarder, normalement il y en a au moins un par map. On a la clé ici, qui va nous permettre de progresser dans la zone Koh-Lanta, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, ici on a des torches. C'est pas forcément bon signe. On a une nouvelle tablette. Ça sent le boss, hein. Je sais pas vous, mais je suis pas confiant. Je suis pas confiant, il me reste pas beaucoup de vie. Ça sent l'embuscade. Oh, ça sent l'embuscade. Ok, attendez, je vais me saisir de la clé. Il se passe rien. Si je peux récupérer de la vie, de la santé, là, ce serait bien. Alors, les pièces, avant qu'elles disparaissent. Hop, il se met à pleuvoir. Toc, toc, toc. Si je pouvais augmenter ma jauge de vie, ça pourrait être sympa. Et toi. Alors, par contre, oui, mais de toute façon, il me reste des vies. Puisque j'ai des personnages qui me permettent de ressusciter, j'en ai deux, donc normalement j'ai encore deux vies hein, supplémentaires. Ça devrait bien se passer. On va progresser de ce côté-là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, sinon un coffre. Donc on va prendre le coffre. Il me faudrait de l'adrénaline, c'est pas très utile, hein, j'ai l'impression. De la life, ce serait bien. Ça, je sais plus ce que ça fait, vous le savez peut-être. Dites-le moi dans l'oreille. Ah bah non, vous pouvez pas, c'est pas du direct. Alors go, la life s'il te plaît. Non, bah non, des sous. C'est bizarre, il n'y a pas eu d'adversaires conséquents qui se sont manifestés. Tant mieux, hein. Tant mieux. Ah bah la pièce là-bas, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, on va faire le tour. Comment on s'en sort sur la map? On s'en sort bien. Alors je sais pas pourquoi c'est en rouge la zone là. Je sais pas pourquoi c'est en rouge, sans doute pour marquer la fin de la zone. Ah non, ok, d'accord, c'est qu'on ne peut pas y accéder. Mais alors, allez savoir si plus tard ça devient pas possible. Je ne sais pas. Ah, voilà. Toi, tu vas venir ici parce que sinon la tablette, on va l'avoir dans l'os. Voilà, petit bug. Hein. Hop, l'IA qui est un peu bête. Mais on va pas lui en vouloir. Ça va, c'est pas flagrant au niveau des bugs. Hein. Je trouve qu'il y a, enfin voilà, il y a des jeux qu'on a beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord, c'est la zone d'accès. C'est la zone d'accès et on a des personnages, on a deux personnages qui sont affichés sur la map. Donc par contre moi je veux de la vie, hein. Je veux de la vie. On va pas mourir tout de suite et si on meurt de toute façon on est ressuscité. Mais normalement ça devrait le faire. Si on se précipite pas trop, hop, on devrait y arriver. Alors toi, je te fonce dessus toi. Hop. Oh mince. Oh mince. Non. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe. Il est pas mort. Dégage. Il me faut de la vie. Il me faut de la vie. Un artefact ici. Un trésor. Voilà, trésor trouvé. Une nouvelle catégorie de trésor. On va dire oui. Un vilain crapaud. Donne-moi de la vie. Donne-moi de la vie parce que je vais mourir comme un âne. Et ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Surtout que les deux derniers épisodes, c'était plutôt bien géré. Hein, donc... À ce niveau-là, c'est que là, je vais beaucoup trop vite. Je vais faire quelque chose de dynamique, mais ça va être au détriment de ma santé. Voilà, ok, on a un passage ici. On n'a pas des points d'interrogation. On n'a pas de points d'interrogation pour l'instant sur la map. On n'a pas visité dans la zone. Voilà, on a un petit dragon. On a un homme éléphant. On va les laisser hein, de l'autre côté de la barrière. On va se diriger dans cette direction. J'ai pas envie de rester forcément longtemps sur l'île. Voilà, on tape. Oh là là, c'est chaud. Par contre, on a peut-être fait le gros du boulot. On a un personnage ici qui est prisonnier. On va aller le libérer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? La force par le nombre augmente la force. Serrurier augmente la quantité d'expérience gagnée en éliminant les ennemis. Et réanimation. Alors, c'est lequel? Oh, ils sont rendus où les autres? Je dis pas qu'ils sont morts, ils sont où les autres? Ok. Attends, vite fait. Oh, ils sont morts! Ah mince! Ah, j'ai vraiment pas fait gaffe!
Vous avez sans doute vu ça, mais alors je suis complètement passé à côté. On va le recruter. Ah, ils sont morts. Les deux me ressuscitent. Bon, bah j'ai toujours de vie, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, par contre, j'ai dû perdre une tablette en mon histoire, j'ai l'impression. Donnez-moi de la vie, les gens, donnez-moi de la vie, je la perds bêtement. Qu'est-ce qu'on a là? Si on a un boss, c'est fini, hein, je pense. Normalement, non, hein, parce que c'est la dernière île qu'on visite qui devrait nous amener au boss. On a une autre tablette. Donc, on va pouvoir quitter l'île. Mais j'aurais bien voulu me régénérer niveau santé. Alors, adrénaline. Et en haut, je peux pas utiliser l'option. Ok. Voilà. Donc, vas-y, prends ça. Et on attend que le cooldown arrive à son terme pour pouvoir prendre cette fiole. Bon, j'ai oublié l'usage, mais on va tenter. On va d'abord prendre cette fiole là. On va déclencher l'autre. Bonus de vitesse, tu parles. Bah, c'est un peu toujours la même chose, hein. Bonus de vitesse, adrénaline. C'est kiff kiff. Donc là, on dégage tout ça. Toi, tu fais quoi? Mineur peut déterrer. Ok, augmenter la force. Et toi, tu fais quoi? Augmente la force et il me permet de me ressusciter. Bah, on va te recruter et l'autre, bah, il va rester ici. Hop, alors, donc, du coup, bonus de vitesse. Je me demande à quoi sert aussi la dernière fiole. Mais j'ai plus de vie du tout, hein. J'ai plus de vie du tout. Ah, bah, ils sont là. Ils sont là. Tiens, lâche ça, toi. Hop, donc, bah, ramasse. Ok, ils sont là, ils sont restés coincés ici. Alors si je me prends un coup, je suis mort, mais je ressuscite. Et du coup, j'en virerai un des trois pour pouvoir recruter celle-là pour pouvoir ressusciter à nouveau. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va être moins bon. Je pense que je vais me faire éclater. Voilà, voilà, je me fais éclater. Donc normalement, résurrection. Voilà. Lui, on va le défoncer. Pof, pof. Il est pas mort, le dinosaure. Et lui, hop, je l'ai vu arriver. Donc, lequel c'est l'homme au chapeau, là, Indiana Jones, qui a récupéré, donc, qui a utilisé sa réanimation. Donc, c'est lui que je vais virer. Alors, c'est lequel, l'homme au chapeau? C'est lequel? Ramasse-moi ça. Ok, d'accord. C'est celui-ci. C'est celui-ci que je vais écarter. Hop, voilà. Et donc je vais recruter. Elle est où, la Miss? Mais non, c'est pas lui que je voulais écarter. Donc c'est pas grave. Je vais recruter elle. Enfin, je peux pas lui parler. Alors attendez. Parce que j'ai les deux camarades. Donc c'est pas ça que je veux faire. Voilà, c'est lui qu'il faut que j'écarte. Parce que voilà, c'est lui qui a utilisé son option. Voilà, écarté. Et l'autre aussi d'ailleurs. Et donc toi, je te recrute ou tu te recrutes toute seule? Ça y est, tu t'es recrutée toute seule? Ouais, et donc les trois ont une auréole, hein, normalement. Voilà, c'est ce qu'on peut voir. On est reparti, on est d'attaque. On va essayer de faire un petit peu plus gaffe. Et c'est maintenant que je récupère de la vie, ça fait n'importe quoi. On a un petit dinosaure là-bas. On a défoncé le pachyderme. C'est pas mal. L'autre, il a dû nous voir. Voilà, il nous a vu. Oh purée, vilaine bête, vilaine bête. Voilà. Oh, puis alors je refonce dedans. Les tablettes, s'il vous plaît, vous les saisissez. Il y en a une autre ici à prendre. Ok, bon bah on va essayer de quitter l'île. Ah bah tiens, encore un nouveau bonhomme. Qu'est-ce qu'on a au niveau des talents? Est-ce qu'on a le constructeur de pont, le mineur et celui qui ouvre les corps, les coffres, les corps. Alors, donc on a le charpentier, donc ça c'est pour les ponts, on est bien. On a encore une charpentière, et il nous faut le serrurier, et on n'a pas le mineur. Donc il nous manque le mineur, à la fois c'est pas le plus important, le mineur. Oh merde, pardon, désolé. Et toi t'es toujours pas une mineuse, mais t'es capable de nous ressusciter. Donc tu peux être intéressante pour la suite. J'ai pas envie de retourner te chercher. Alors lequel des trois a le moins de talent? C'est celle-là. Donc c'est elle qu'on va écarter. Très bien. Donc normalement la tablette est posée au sol. Toi je te recrute et je te demande de ramasser cette tablette-là. Et donc j'ai à nouveau 3 vies, voire 4. Mais ramasse la tablette.
voilà, s'il te plaît. Et on est reparti. Là, on va essayer de rester en vie quand même, ce serait pas mal. Alors, je suis pas du tout dans le bon sens, il faut que je serre à la gauche. Et on va traverser la zone. Pof, donc gauche, gauche et tout droit. Hein. Voilà, on va retourner au port. Ok, on a du monde sur le quai. Il nous manque quand même un mineur. Ce serait bien d'en avoir un dans notre team. Alors, est-ce qu'on peut améliorer avec l'expérience? Est-ce qu'on peut améliorer les talents de notre personnage? On va voir ça. C'est quoi déjà le bonus d'expérience? Bon, bah, il n'y a plus de monstres. On le saura. Le vert, c'est l'XP. D'accord, c'est la même couleur. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas par là du tout. C'est derrière moi. Hop, on a besoin quand même de la map hein, pour s'orienter. Sans ça, on serait en difficulté. Mais attendez, lui on va le laisser. On va le laisser tranquille parce que on va frapper. Bah tiens, hop, bonus d'XP, tant mieux. Il a pas trop résisté. Ça c'est bien, d'un coup il est mort. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais bref, tant mieux. Alors, j'ai un membre d'équipage qui est un petit peu blessé. Donc là on n'a plus rien au niveau de résurrection. Posez les tablettes les gars, les filles. Très bien, en voilà une. Et une deuxième, s'il vous plaît. Hop, et on va faire trois. Hop, une nouvelle fois, inspecter. Très bien, très bien. Là, j'ai les bons membres d'équipage. J'ai des vies supplémentaires. Donc, ça devrait bien se passer. On va regarder au niveau des talents. Les talents du joueur. Miette de pain, récupérateur, roulade. Alors, j'ai pas suffisamment d'XP hein, pour augmenter mes capacités résistance. Un segment additionnel à la barre de santé, vu comment j'en perds, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, ça. Miette de pain, sprint. Le sprint pourrait être pas mal aussi pour esquiver certains mobs. La résistance, je pense qu'on va prendre la résistance parce que c'est pas cher, c'est 1500, on a plus que 200 en XP. On va regarder au niveau de l'amélioration du bateau, 276, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Les graphiques s'assurent que chaque tablette n'affiche pas la même distance de navigation. Je sais pas ce que ça signifie, mais on va le prendre. Et je pense qu'on n'a pas assez d'argent pour la suite. On va quitter l'île et on va enchaîner comme ça. Allez, hop, donc on a le choix entre 2, 3 et 4. Donc voilà, 2, 3 et 4. Difficile, facile, facile. On va prendre la deuxième en facile. Moi j'ai envie de faire une map facile. Allez, on va faire une petite map facile. Allez, oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Let's go, action. On va prendre les sous-sous, les trois comparses qui sont là, qui vont nous suivre. Hein. Je vais pas partir en éclaireur, je vais les garder avec moi, puisque de toute façon, on découvre de nouveaux talents, hein, de nouveaux caractères au fur et à mesure de notre exploration. Alors, est-ce que les mobs sont toujours les mêmes, ou est-ce que ça va changer un petit peu? Ce serait bien que ça change un petit peu. Quoi qu'on a des espèces de dinosaures maintenant. Je prends sur la droite, histoire de progresser à nouveau. Alors, la dernière vidéo, elle vous fait une heure. Hein. Voilà, j'étais à fond dedans. Et ça arrive, hein, un petit let's play sympa. J'aurais pris la journée pour le faire. Je pense que ce sera quand même la dernière de la journée. Je sais pas s'il y en aura d'autres, hein, ça va dépendre de ma survie. Mais sinon, pourquoi pas. Alors, on peut déverrouiller les coffres. Il me manque le mineur. Toc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un tonneau de piège dans le coin? Non, que des sous-sous. Que des sous-sous pour l'amélioration du bateau. Ok, on a un avion, hein, l'avion du crash, hein, ça y ressemble, on doit avoir le premier, le même dans le deal officiel. Ça sent le piège ça. Hop, alors ouvre-moi la porte, toi qui est à la clé, enfin du moins plutôt le coffre. Yes, donc on a une bombe. Une bombe, hein, on va s'en saisir. Faut réussir à l'utiliser, en fait c'est juste ça, c'est prendre les bons réflexes. Et j'avais vu des escaliers avec un petit passage sur le teco, sur le côté... Normalement, vous l'avez vu aussi, et il est ici. Il est ici. Alors, c'est pas une bonne augure hein, en général, ces zones-là. Voilà, regardez, on a du vilain méchant pas beau qui est juste en bas, et c'est un croisement. D'accord, donc on a deux accès possibles. Est-ce qu'on peut le frapper quand il monte les escaliers? Voilà, donc lui, on l'a géré. Ou la plante, je l'avais pas vu, et le dragon, voilà, que j'ai vu, que j'ai esquivé, et le temps qu'il comprenne ce qui lui arrive, on le shoot. Donc, ok, ça. C'est pas mal. Et on remarque d'ailleurs en haut à gauche au niveau de la barre de santé qu'il y a un nouveau petit carré additionnel de vie qui s'est ajouté, hein, qu'il est additionnel. Donc ça aussi, allez, pléonasme, j'adore ça. Pof, pof, pof. Donc ça, on l'a pas vu. C'était l'accès. C'était le troisième accès.
On va aller voir ça tout de suite. Donc ça, hop, il y a un petit point d'exclamation sur un triangle jaune sur le tonneau, ça veut dire qu'on va pouvoir toucher. On va récupérer les petites denrées, hop, les bonus, ici, ici. Donc on est full life, c'est plutôt pas mal. Tiens, alors ça, c'est quoi comme zone? Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir de quoi il en retourne. Hop, ça c'est possible. Alors est-ce qu'on va tomber sur un boss, quelque chose? On est bien équipé, on est bien accompagné. Donc au pire des cas, ça devrait bien gérer. Je viens de récupérer de la vie. J'aurais peut-être attendre pour casser les buissons. Des fois qu'il y aurait des petits cœurs qui seraient cachés dans les fourrés. Ça sent le piège, ça sent le piège. Donc, je vais pas casser les buissons tout de suite. Ok, on a une tablette qui est là-bas, c'est bien, on n'en avait pas trouvé. Hop, hop, je dis on va attendre avant de casser les buissons, je les casse. N'importe quoi, il fait ce qu'il fait, il fait ce que je dis, il fait pas ce que je fais. Alors, ici, ça sent le piège, ça sent le piège. Je sens que c'est trop calme. Là, ok, de la santé. Je vais attendre un peu que quelqu'un prenne la tablette, s'il vous plaît. Bah si, je vais tout casser quand même. Parce que c'est plaisant. Hop, plus 10 en vie encore, ça ne sert à rien. Hop. Bon, je vais arrêter de casser les buissons, parce que je vais peut-être en avoir recours. Si je perds un petit peu de santé et que je trouve pas l'arbre de santé, hein, parce que j'en ai pas vu sur la map précédente, peut-être qu'on n'a pas tout exploré, ça en doute qu'on n'a pas tout exploré d'ailleurs. Lui, on va le dégommer avant qu'il soit trop tard. Ok, ça va dans tous les sens la map, mais c'est un bon petit jeu, petit prix, hein. Un petit prix, c'est un bon petit jeu. Alors là, il y a une caisse, hop, avec des sous-sous. Là, on va casser un buisson pour le fun. Et embuscade, embuscade, voilà. Toi, pachyderme, on va toi. Alors il s'enfuit, mais ça c'est pour nous mener quelque part. Donc, le dragon il nous fonce dessus. Regardez, attendez, on va reculer les gars. On va le laisser avancer vers nous pour pouvoir le dégommer à nouveau. Voilà, il nous attire. Ah mais il régène en plus. Ok, donc coup de chaîne. Allez, coup de chaîne, il est pas cool. Ah, coup de chaîne. Oh purée, je l'avais pas vu. Ok, il régène, donc faut rentrer dedans. Allez, hop, voilà, pour pas qu'il récupère de la vie. Hop, trop souvent. Ok, bon, on est pas mal. Par contre, on a perdu de la santé. On s'est un petit peu trop explosé, mais fallait, hein, on était entouré d'ennemis. Donc au moins l'avantage, c'est que de se dire qu'il reste des buissons autour de nous qu'on va pouvoir dégommer pour récupérer un petit peu de life. S'il y en a du moins dedans, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors comment on s'oriente? Ok, il y a une zone, il y a une tablette qui est apparue sur la map. Ok, qui doit être proximité du port. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai pas l'impression. Oh, on a un bonhomme. Est-ce que tu as des escaliers par là? Oui, il y a des escaliers. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce brave monsieur? On va aller le voir, on va aller le libérer parce que il est séquestré. Hop. Derrière les fourrés. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mineur, il nous fallait un mineur. Par contre, il régène pas de vie, donc bah, tu vas rester ici, mon garçon. Mais on a un mineur. Alors, c'est bien, de toute façon, t'es indiqué sur la map. J'en aurais peut-être besoin un petit peu plus tard si je perds une vie. Ça pourrait être intéressant de le recruter. Tiens, donne-moi la pièce. Je peux voir un monstre dans l'angle. Non, mais non. Alors, on va aller tout droit. Tout droit, il y a un nouvel hexagone. Casser les buissons pour voir si il y a un petit peu de life. Ça n'a pas l'air. Donc alors attendez. Ok, rien sur la gauche. Ça c'est un tonneau à sous-sous. Non, ça a l'air d'être un tonneau à que dalle. On a un coffre sur notre gauche. On a un nouveau personnage. Et on va dire, il n'y en a pas un qui a perdu une tablette là, j'ai l'impression. J'en ai pas deux. Non, j'en ai pas deux. Alors, charpentier, ouvreur de coffre, et il augmente la force. On va le laisser là aussi. Celui-là pour le moment. Donc, de toute façon, à partir du moment où ça apparaît sur la map, eh ben, je saurai où les retrouver. Alors, par contre, ça sent l'embuscade, hein, ça encore, on est d'accord. Après, c'est juste une impression, juste une illusion, à peine une sensation. Bon voilà, un petit peu de vie, on est full life. Si on pouvait régène le petit carré additionnel, ce serait sympa. Et dis-moi qu'il y a de la vie dans ce coffre là, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse en fait, c'est la vie, c'est la survie. Voilà, bah parfait. Donc la bombe, on va passer par là.
Tiens, des barrières à dégommer. Ça, un petit peu de santé, que dalle. On va passer, on va longer le mur de droite. On n'a pas dû le faire. Alors, si, on a dû le faire. Regardez, hein, on voit que les fourrés ont été coupés. Les buissons. Ah, bah, regardez, j'ai une carte derrière. J'ai un artefact que je n'ai pas pris. Ouais, si, je l'ai pris, mais c'est que j'ai dû en frapper un. Et donc, il a tout lâché. Vous avez dû le voir aussi, c'est que moi je fais pas gaffe, je suis concentré sur ce que je dis et sur le chemin à prendre, mais je fais pas suffisamment attention à mes personnages. Donc il est où celui-là? Comment je vais par là? Ok, on fait le tour. Allez hop, demi-tour. Bon, on refait ça, change pas grand chose, hein. Je sais pas si elle va nous permettre d'avancer de 1, 2, 3 ou 4 cases. En général, ça va jusqu'à 4 cases. Mais let's go, au moins on aura du choix. Et prends la tablette et c'est reparti. Demi-tour, je vous fais pas d'ellipse, hein, on vit ça en temps réel ensemble. C'est cool, c'est cool. Hop, moi j'avais envie de jouer et c'est pas par là du tout. On va contourner tout ça. Donc là, ces personnages-là ne m'intéressent pas. Je suis avec ces trois. Ça devrait suffire. On a un constructeur de pont, mais on tombe pas sur le pont à construire. Et on n'a pas de mineur, mais pour l'instant on n'est pas tombé sur des coins. Je pense qu'il n'y a que quand on arrive au boss qu'il nous faut un mineur. Ce serait bien d'en avoir un dans la team quand même. On devrait en trouver, je pense, sur les maps à venir. On va voir ça, on va laisser faire. Hop, ici que dalle. Allez, un petit peu de santé là s'il vous plaît. Ce serait fort sympathique d'en récolter, d'en récupérer. Hop, peut-être ici. Non, rien du tout, bah forcément sinon c'est pas drôle. Alors, tout droit, allez, hop, tout droit, si on n'a pas d'obstacle qui se dresse devant nous, hein, sur notre parcours, on devrait pouvoir arriver à bon port, c'est le cas de le dire, en une seule course. Je me souviens qu'il fallait passer le pont, mais on a une zone qu'on n'a pas visitée encore, juste à côté du port, tiens, là, des buissons. Hop, voilà, plus 10, très bien, donc voilà, notre carré additionnel qui commence à se remplir. C'est plutôt bon signe. Donc là, commence à être pas mal. Est-ce que c'est par là? Ça a l'air d'être par là. On va prendre à droite. Ouais, si, c'était par là. Hein. Il y avait moyen de revenir. Ah, quoique. Attendez, je suis pas sûr d'être sur le bon chemin. Si, on va faire le tour sur la gauche. Et on va au moins mettre les artefacts, les tablettes en place. Alors... ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on peut acheter des nouveaux talents en attendant? Je suis pas sûr d'avoir suffisamment d'expérience accumulée pour pouvoir augmenter les capacités de mon personnage. Donc, deux tablettes, on peut déjà quitter l'île, hein, mais on va faire un petit peu d'exploration. Talent du joueur 876. Wow, j'aimerais bien faire des roulades ou attaque tournoyante. Ça, voilà, des coups spéciaux, ça pourrait être intéressant. Alors j'ai une bombe, hein. Meneur 2, meneur 3, ça pourrait être bien aussi. Est-ce qu'il 5000 points, est-ce qu'il c'est pas ce qu'il faudrait favoriser? Je ne sais pas, hein. les choix sont multiples, il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, hein, je ne pense pas. C'est en fonction de votre manière de jouer que vous ferez vos choix. Alors toi, voilà, alors bah régène si tu veux, et toi je t'ai vu. Toi, voilà, deux coups en fait d'affilée. J'ai pas perdu de vie, c'est curieux. Le dragon, enfin j'appelle ça un dragon, c'est un dinosaure. Si je le frappe suffisamment vite, ça devrait le faire, mais il m'a quand même fait perdre de la santé. Eux ils sont faciles à gérer. Si je le frappe suffisamment tôt, c'est les petits là, lui. Voilà, c'est bon, un coup suffit. Hop, je vais revenir en arrière vite fait. Ok, là il y a une zone qu'on n'a pas explorée avec un piège. Donc on va éviter, là on n'a pas de méchant, pas encore, on va casser du buisson. De la vie, de toute façon j'en ai de côté. On est bien. Hop, j'en récupère un petit peu, ça c'est plutôt bien foutu, on est heureux. E-R-E, heureux. Et là, alors lequel des deux a dégommé avant? Lui. Et lui, on va en profiter qu'il a le dos tourné. Oh purée, vite l'attaquer. Attention la plante! Il y en a une autre? Non, il y a un pachyderme. Lui, on va essayer de l'avoir sans qu'il touche nos camarades. Et on a une troisième tablette. Alors, à ne pas perdre. Merci de vous en occuper, les gars. Donc, ok, pour l'instant, la vie, ça va. Il faut juste qu'on arrive à poursuivre le pachyderme avant qu'il nous mène. Voilà, ailleurs. Voilà,
C'est bon, on l'a eu. On est pas mal. Il y en a un deuxième. Ah, ça commence à se corser, hein. On le sent. Il y en a une caisse. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des sous-sous, bien évidemment. Hop, allons-y. Oh, bah là, il y a tout le monde. Oh, il y a tout le monde. Voilà, attendez. Puisque tu parles au mur, eh ben, c'est pas plus mal. Je vais t'éclater. Ça tombe mieux. T'es un peu bête au niveau IA. Ça m'a arrangé pour une fois. Ça me permet de conserver mes HP et de pas être en difficulté quand, à la suite de l'aventure. Quoique, je sais pas ce qu'il y a dans le futur, mais on risque sans doute de regretter. Donc, une nouvelle zone ici. Est-ce que ça ouvre sur un nouvel hexagone? Non. C'est la fin de l'exploration de cette partie de la map. On va aller quand même faire un tour. Alors, on voit plus hein, d'arbres de régénération de vie. C'est pour ça que ça se complique. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Alors, ouvre-moi la porte, le coffre, s'il te plaît. Si ça pouvait être de la vie. Ça, c'est de l'XP. Hein. L'XP vaut plus que la bombe. Ouais, fais péter ça. Je vais prendre l'XP. Et dès qu'il va y avoir un méchant, pourquoi ça sautait? Ah, parce que l'explosion. Ouais, d'accord, ça a quand même de la portée, la bombe. J'aurais pas cru. Et un petit peu de vie. Très bien. Très bien. On s'en sort plutôt pas mal pour le moment. Ça, c'est un mauvais tonneau qu'il ne faut pas toucher. Et est-ce qu'il y a des petites choses là dans les buissons à récupérer? Oui, bah de la vie. Voilà, on est presque full life. Presque. Enfin, on est full life plus carré additionnel. Et on va faire le tour de ce rocher là pour revenir sur nos pas et changer de map. Je pense, alors j'ai pas vu la zone là, j'ai pas vu de clé. Il y en a peut-être pas. Est-ce qu'on n'a pas un gros vilain dans le secteur? Non, normalement on a tout exploré, on revient sur nos pas. On a tout exploré. Donc il y a des personnages, on est sans doute passé à côté d'un. Hop, c'est pas grave, ceux-là me conviennent pour le moment. On va passer une autre map là, parce que ce sera suffisant pour cette vidéo. On va refaire quand même la troisième. Et tant qu'on survit, on continue l'aventure. Ce serait bien que j'arrive à faire 5 vidéos. Parce qu'en termes d'affichage sur la chaîne, ça prend, on va dire, vous savez quand vous créez les playlists là et que vous les affichez, ça prend une bande entière, 5 vidéos. Donc, par rapport à mon écran, la télé de mon écran, donc c'est assez sympa. Je me dis que c'est plus sympa visuellement, d'un point de vue mise en page, d'un point de vue visuel pour vous. Si j'arrive à atteindre les 5 vidéos, alors c'est pas gagné parce que plus je joue, plus j'ai des chances de mourir. Tiens, pose-moi la tablette s'il te plaît, et on va faire une troisième. Allez, une troisième map, une autre map, parce que c'est pas la troisième, et c'est parti. On quitte l'île, améliorer le bateau. Est-ce qu'on peut améliorer le bateau? 255, non. Cabine. Allez hop, réduit définitivement le coût en expérience de l'apprentissage des talents du joueur. Ça, c'est bien. Donc, alors, est-ce qu'au niveau talent de joueur, du coup, est-ce que je peux acheter des trucs? Alors, miettes de pain, ça, c'est pour retrouver notre chemin, mais on y arrive avec la map sous le nez. Donc, ok, rien. On n'a pas suffisamment d'XP. Il faut que je reappuie sur le truc. On va faire quitter l'île. Et on va progresser. Et donc, alors, on a le choix entre une. Alors, facile, moyenne. On va se rapprocher du boss. On va faire une map moyenne, histoire de prendre un petit peu d'XP. Parce que c'est ça aussi, hein, la particularité de choisir des maps qui sont plus ou moins faciles, difficiles. C'est qu'on va croiser plus de mobs, donc on a plus de chances d'avoir d'XP. Et donc, si on a plus de chances d'avoir d'XP, on a plus de chances d'améliorer les compétences de nos personnages. Alors par contre, je vois qu'il y en a un qui est un petit peu blessé, ça me plaît pas. Bah écoutez, tu seras utile jusqu'à la fin. On va partir sur la gauche pour une fois. Oh là 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 là, je t'ai vu la plante. Je t'ai vu la plante et je t'ai tapé. Il n'a pas eu le temps de me destituer, hop, de ma position de chef de file. Ça, c'est cool. Oh là, on a un gros vilain. Est-ce qu'il va nous voir? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'on peut le frapper? Oui. Oh, bah dis donc. Oh, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah, mais c'est pratique. On a une espèce de dragon. Il a pas le temps de nous foncer dessus qu'on l'a eu. Pareil pour celui-là. Oui, ah non, pas pareil. Hop, c'est lui qui a été plus réactif. Mais c'est pas grave. Toc, toc, toc. Allez, progressons. Ça, il faut pas que je tape dedans. Et on part sur la gauche. Eux, ils vont nous foncer dessus.
dès qu'ils vont nous voir. Donc si j'anticipe, voilà, je devrais l'avoir. Et toi, pareil. Voilà, youpi, je l'ai eu. C'est bon, ça gère. On commence à prendre le coup de main, on connaît les patterns. Ça nous empêche pas de nous faire avoir. Alors ça, c'est le piège, ça. C'est le piège ou c'est pas le piège? Est-ce que je peux le frapper d'ici? On a un pont. Oh, il y a personne qui fabrique des ponts. Oh, bande de bolos. C'est facile hein, d'accuser les autres. Ok. Ah bah si, tiens, regardez, on a un arbre à vie. Ah, il nous faut un charpentier. Hein. Il nous faut un charpentier. Ça, hop, l'autre, je l'ai vu. Il nous a pas vu. Ah si, il nous a vu. Hop, on ne lui donne pas une deuxième opportunité. Toi, je vais t'éloigner de mes camarades. Je me suis fait toucher. Au moins, eux, non. Mais alors, moi, je fais n'importe quoi. Oh, je fais n'importe quoi. Ok, il est mort. Vous aviez pas des tablettes? Non, vous aviez pas des tablettes. On vient de découvrir la map. J'aurais pu utiliser ma fiole d'XP. J'aurais pu être ingénieux de l'utiliser à des moments opportuns comme ceci. Il me semble pas. Est-ce qu'il y a un deuxième accès pour monter sur la plateforme? Parce que c'est possible, ça aussi. Oh là là. Oh là là, je le vois. Ça va peut-être être fatal. Non, on a survécu. Est-ce que ce serait pas le bon moment? Alors, pour utiliser la vie et pour utiliser l'XP. Allez, viens là. Le dragon d'abord. J'ai vu la plante. J'ai vu la plante. Hop, elle va me tirer dessus. Elle me tire pas dessus. Hop, je l'ai eu. Hop, c'était moins une. Hein. C'était moins une. Hop, il aurait pas fallu se faire avoir. Au moins, on a récupéré toute notre place. Ah, mais maintenant, vous marchez dans le poison, bande de tarte-pommes. Qu'est-ce qu'il y a ici? On est déjà passé par là, on vient de faire demi-tour. Il faut que je m'oriente. Il faut que je m'oriente. Donc, c'est sur ma gauche. Ici, il y a des nouvelles choses. Donc, on a le personnage et l'arbre qui sont ici, qui apparaissent comme des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas approcher suffisamment pour les découvrir. Et c'est par là qu'on n'a pas été. Non mais normalement ça devrait bien se passer, on a 3 vies supplémentaires, ça devrait bien se passer. On peut se permettre de mourir un petit peu. J'ai pas besoin de casser les buissons parce que je suis full life. Donc ça les caisses, je sais que ça contient des sous-sous. On a Gargantua qui est là-bas. Je vais l'éloigner. Bien. Normalement voilà, il touche personne. Voilà, mais j'ai l'impression que je suis plus fort. Je suis peut-être plus fort, j'en sais rien. Et te tue en un coup. Oh, toi, oui. Et toi, pachyderme. Alors par contre, je m'éloigne de la plante. Voilà, hop, c'est bon, je l'ai eu. Et toi, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Régène pas, régène pas. Voilà, c'est bon. J'ai perdu un petit peu de vie, donc maintenant je peux casser du buisson. Il y a une petite plateforme là-haut. On a un arbre de vie qui nous est pas utile pour le moment. On va essayer de combattre les monstres. Des fois, ça servirait un petit peu de life. On se régénérera. Un arbre de vie ici qui est accessible. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors attendez, comment je suis orienté? Donc l'arbre de vie, il est ici. Interagir, non, pas pour le moment. On va essayer de croiser de nouveaux adversaires. Mais non! Bon, bah l'arbre de vie, on va l'utiliser finalement. Mais non, mais quelle bande de boulets ceux-là. Allez, hop. On va voir s'il y a à nouveau des vilains. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir sur nos pas? Si, on revient sur nos pas. Hein. Il me semble que oui. Pour voir, je vais juste pas casser les buissons, c'est ça. Bon, bah, l'art de vie, on va l'utiliser. Hein. Hop, de toute façon, j'aurai peut-être pas l'occasion de revenir sur mes pas. Hop, je prends juste ça. Des fois, que ça suffirait. Est-ce qu'on n'a pas du méchant encore par là, dans cette direction? Attention. Attention, on a une nouvelle zone. Donc on a certainement du méchant. Si on peut survivre un petit peu, voilà. Des fois que je perdrai un petit peu de vie. Voilà, youpi, on l'a eu. Dinosaure, donc on va certainement perdre de la vie. Oh là là, oh là là, la gérance. Hop, oui, alors c'est pas chiderme. C'est d'abord celui-là qu'il va falloir gérer. Hop, eux, ils se protègent. Voilà, voilà, oh là là. Oh, cet enchaînement. Voilà, 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 un de mort et l'autre qui régène. On va commencer dans un coin. Voilà, bien. Ça c'est de la gérance et je récupère de la vie. Tout va bien. Hop. Et puis on va garder l'arbre de HP là pour les camarades, histoire de les remettre full life. Hop. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu redondant.
Mais Diablo aussi, hein, Diablo aussi, c'est redondant. Bon petit jeu, et qu'il faut farmer, c'est redondant aussi. On a une clé là-bas. Hop, donc on va s'en saisir. Et là, j'ai vu la plante et j'ai tapé dans la caisse. Oh là là, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Hop, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, les autres étaient pas morts hein, tout à l'heure, j'ai raconté des bêtises. On a la plante qui est là. Il commence à y avoir difficulté moyenne. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde pour une difficulté moyenne. Ok, j'avais pas vu le symbole sur le tonneau. Je suis en train de m'éloigner de l'arbre là qu'on avait vu tout à l'heure. Je vais peut-être aller le voir. Il est où? Ok, on a refait le tour. Est-ce que je n'irai pas en régène maintenant? On va y retourner. On va y retourner. Ça va faire du bien à l'équipe. Ok, il était où cet arbre? Est-ce que c'est le point vers lequel je me dirige ou c'est l'autre d'à côté? Il me semble que c'est l'autre d'à côté qui est un petit peu plus à droite. Je suis pas sûr que ce soit celui-là. Si, c'est celui-là. On va y aller. Et on va s'orienter vers la destination finale où on devrait pouvoir ouvrir un accès parce qu'on a ramassé la clé. Et venez par là, vous. Voilà, c'est bon, ils sont full life. On va redescendre par ici. Et est-ce qu'on est bien orienté dans la bonne direction? Ah, mais il y a un truc ici. Attendez, on va aller voir. Tiens, des caisses, des sous-sous. Hop, prenons ça. Et allons-y. Donc je pense que c'est la dernière vidéo que je vais vous publier pour la journée. Hop. Oh purée. Oh, je fais n'importe quoi, mais c'est bon. Ils sont morts. Tiens-toi, viens là. Évite mes camarades. Voilà. De coup. Bah ouais, je suis plus puissant. Hein. J'ai l'impression d'être plus puissant. Je prends du levage. Je suis à 3000 et quelques points. C'est bien ça au niveau XP. Pof et pof. Voilà, toi t'es mort. Il y a un petit dinosaure derrière, je l'ai vu. Je vais aller shooter. Pof. Voilà, il était juste à portée. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ici on a un piège. Très bien. Allez, continuons de progresser. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ah, le truc, c'est de savoir qu'on n'a qu'une seule vie. Ah, alors voilà, petit tunnel. Ça sent l'embuscade, ça. Ça, on sent qu'on va perdre de la life très très vite. Voilà, je m'en doutais. On s'en est bien tiré. Toi, tu fais quoi? T'es un boss? Voilà, je m'en doutais que ça allait être un chacal. Hop, il prend l'apparence de membre d'équipage. Et en fait, c'est un homme lézard, un reptilien encore. Ils sont partout ces reptiliens. Hop, complot. Et hop, ils nous attaquent forcément parce qu'ils sont pas très gentils d'être méchants. Je l'avais pas encore sorti, celle-là, il le fallait. Ok, on a une tablette. C'est bien, ça va être pratique pour arriver à l'île. À l'île précédente. Non, c'est pas précédente. À l'île suivante. Un gilet d'invulnérabilité, on peut appeler ça. Hop, un des collègues qui va se saisir de la tablette. Alors par contre, j'ai pas vu l'ouverture, on n'a pas dû utiliser la clé, non, puisqu'elle est toujours sous ma barre de vie en haut à gauche de l'écran, vous pouvez le constater. Hop, c'est parti, on va prendre des sous-sous, on va avoir un beau bateau. Hop, ça c'est fait, est-ce qu'on a un autre membre d'équipage qui est prisonnier? Non, ça n'a pas l'air. Et bah écoutez, on va pouvoir retourner sur nos pas. Je ne pense pas qu'on ait tout exploré. Tiens, bah, si je passe par la porte, c'est mieux. Voilà, il nous reste. Alors, on avait un point d'interrogation, mais il me semble. Oh là, on en a plusieurs. Et on a une tablette là-bas à aller chercher. On va s'y rendre. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo. Je suis capable de vous faire des heures et des heures de vidéo. Alors ici, est-ce qu'on peut pas passer sur le côté, que ce serait plus judicieux, regardez, plutôt que d'essayer de passer au bon moment, on pourrait faire le tour. Voilà, ok, je vois le petit triangle, il y en a un qui s'énerve là-bas, donc vas-y, dès qu'il me voit, tac, 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 dès que le point d'exclamation apparaît, moi je commence à taper, hop, ici, donc là, on a un symbole danger sur le tonneau, voilà, alors purée, voilà, maintenant, j'étais obligé de me prendre les coups, hein. Ils sont apparus trop tôt. J'ai pas été assez vif, enfin j'étais pas obligé. Et on a un autre personnage. Est-ce que tu construis des ponts? Oui, tu construis des ponts. Mais tu fais de la réanimation aussi. Ah, et t'es serrurier. Donc tu fais des ponts, c'est bien ça. Alors ça m'intéresse. Là on n'a pas de charpentier. Coffre et charpentier. Donc il y a
ils sont deux à ouvrir des coffres. On a à peu près les mêmes options. Là, je prends d'XP. On a deux ouvreurs de coffres. Et si j'ai un charpentier, qu'est-ce qu'il me raconte? Et si j'ai un charpentier? Parler, tu fais quoi, toi? Serrurier, charpentier, bah pourquoi j'ai pas, il a pas voulu faire un pont tout à l'heure? C'est que j'ai pas dû faire gaffe. C'est que j'ai pas dû faire gaffe. Bon, bah, est-ce qu'on... Ah non, c'est un mineur qu'on n'a pas, c'est ça? C'est un mineur qu'on n'a pas. Est-ce que tu mines, toi? Non, tu mines pas. Bon, bah, tu m'intéresses pas. Je vais te chercher si jamais je perds une vie entre temps, mais normalement, je devrais pas en perdre. Donc, c'est cool. Donc c'est cool, on va repasser. Ah, il y a encore une zone à explorer. Hein. Il y a encore une zone à explorer. On n'est pas sorti de l'auberge. Je ne pense pas, pas encore. Donc progressons et puis voilà. Mais c'est sympa. Moi, c'est un petit jeu que j'aime bien. Ça évolue pas trop au niveau des décors et des mobs, quoique. Là, ça va. Hein, troisième vidéo, on a quand même vu un petit peu de variété. Mais c'est vrai que est-ce qu'il y a des biomes enneigés, des choses comme ça, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout et de survivre. Enfin, c'est un jeu de survie, hein, c'est tout l'intérêt du jeu justement, c'est essayer de survivre le plus longtemps pour découvrir un maximum de choses. Est-ce que là il y a quelque chose? Non. On n'est pas dans la bonne direction. Et là qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Il y avait un trésor. Ah donc là, attendez. Parce que du coup, si j'ai un charpentier, alors est-ce que c'est par là? Parce que je suis pas en train de faire un mauvais tour. Je vais revenir, je vais repasser par de ce côté-ci. Hop, ça me rate le pif. On a un charpentier avec nous. On l'a pas vu encore. Je vous ai pas montré où je me souviens plus. La fabrication d'un pont. Là, il faut. Bah écoutez, voilà, voilà. Alors, bah écoutez, non, l'arbre est accessible tout de suite. Au moins, on l'a découvert. Est-ce que ça... Non, sur la zone, ça apparaît toujours comme étant un point d'interrogation. Bon, écoutez, on sait qu'on a un arbre pour se régénérer. C'est déjà bon à savoir. Et on va partir sur la droite. Dans cette direction-là, ça devrait être accessible. Alors, allons-y. On en veut. Hop. On va continuer d'explorer. Et toi... Voilà. J'ai un petit peu trop tardé. Alors, lui... Si je peux la tirer en haut des marches, c'est bien, reviens, pop, pop, et t'es mort, voilà, superbe. Hop, ça gère. Ils sont pas trop difficiles, les mobs. Bah, ils sont pas trop. Mais alors, mes bandes de zouaves, mais bougez. Hop, comme disait le professeur Tournesol dans le Tintin. Hop, bande de zouaves. Fallait surtout pas le traiter de zouave. Il fallait péter un plomb. Et donc, voilà, là, on a notre accès vers la zone mystère. Oh là, attention. Alors, le pire, là, c'est la plante. Et viens ici, toi, pachyderme, je vais te dégommer. Et je te redégomme. Et voilà. Et il y en a un autre. Si je peux l'attirer, parce qu'il frappe pas mes potes. Alors, par contre, la plante. Voilà, et viens là. Viens là. Hop, je sors ma lanterne parce que la nuit commence à tomber. J'avais pas une tablette. J'aurais pas laissé une tablette sur la map. Bah, si, derrière moi. Bon, on la récupérera sur le chemin inverse. Et toi je t'ai vu, hop, et toi je t'ai vu aussi, voilà, c'est bon, ça gère. Par contre un petit peu de life, ce serait pas de refus, avant d'aller s'attarder sur la zone là-bas. Hop, est-ce qu'on a encore du mob? Je regarde dans les angles de l'écran, et mince, marchez pas dedans hein, les gens. Hop, est-ce qu'on a quelque chose là? Je vais monter sur la plateforme, et il n'y a rien, c'est hop, mais pour taper du vilain, on est déjà passé par là. Déjà passé par là, mais hop, on a quelques fourrés à dégager. Et donc c'est parti. Allez hop, c'est parti. Donc on a un arbre de régénération de vie qui pourrait être intéressant d'utiliser maintenant. On peut y aller. On peut y aller avant d'explorer les lieux. On va récupérer la tablette là sur le chemin. Sur le chemin retour. On va récupérer l'arbre de vie. Enfin récupérer l'arbre de vie, on va l'utiliser. Et comme ça on sera full life, ce sera pas de trop hein, pour anticiper la suite du programme, j'ai envie de vous dire. Donc on avait des barrières qui étaient par là hein, il me semble, et hop, un escalier. C'est par où? On est passé à côté de la tablette hein, je pense. On l'a pas ramassé parce qu'on l'a pas vu. Hop, le buisson. Allez, venez tous par là, récupérer la petite régène.
Voilà tout le monde. Voilà moi aussi. Voilà. Ah, puis il manque un petit carreau. Alors, elle est où cette tablette? Elle est sur ma droite. Enfin, carrément derrière moi. Donc demi-tour. Donc c'est une qu'on a dû laisser tomber, hein, je pense. Quelle est où? C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux partout. Il doit être sur ma gauche. Oh, j'ai le temps que de vous faire quasiment une ou deux îles hein, dans chaque vidéo. En fait, ça dépend si vous voulez un format plus long. En fait, je vous demande pas votre avis. Je le fais parce que j'ai, voilà, j'ai envie. À vous d'apprécier. Hein. Donc, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a un qui a laissé tomber la tablette. Hein, on peut pas leur faire confiance. Dès qu'ils sont un petit peu touchés, ils chouinent. Allez, go! On va valider cette map là. Si on meurt pas, normalement, de toute façon, on a suffisamment de camarades qui sont capables de nous résurrecter, de nous ressusciter, les deux se disent. C'est comme pain au chocolat et chocolatine, il n'y a pas de débat. Hop, les deux se disent. Hop, regarde Wikipédia, tu le sauras. Hop, et on prend compte aussi au chocolat chez nos amis belges. Hop, donc plusieurs noms pour une même chose. On a un coffre ici. Un personnage. Oh mince! Oh, j'y avais pas de cœur au-dessus! Je me suis fait avoir, mais comme une buse, j'ai sursauté, j'ai eu peur, j'espère que je vous ai pas fait peur. Sinon, c'est rigolo quand même. Il n'y a pas mal d'hommes, ni de femmes d'ailleurs. Je peux pas taper dans les tombes, il n'y a pas quelque chose de secret, des champignons, quelque chose à ramasser. Non, ça manque d'interaction, je trouve, avec le décor quand même, un petit peu. Ah, mais je me suis pas méfié, j'aurais dû me méfier, il n'y avait pas de cœur au-dessus de son effigie. Et j'aurais dû faire gaffe. Donne-moi des cœurs, toi. Et d'ailleurs, j'ai un gilet pare-balles que j'ai pas du tout utilisé. C'est pas pare-balles, mais. Ok, et j'ai un gun. Et bah écoutez, ça peut être utile. Contre le boss, ça peut être utile. À condition de pas paniquer et de tirer à côté. Ok, là, il y a encore une zone qu'on n'a pas exploitée. Hop, c'est labyrinthique, hein, quand même, ce secteur. Je vais pas être mécontent de quitter cette map. Pour en explorer une nouvelle, mais ça vous verrez dans une prochaine vidéo. Ici, pour terminer nos actions. Et on a une deuxième tablette qui va nous permettre de progresser un petit peu plus dans notre aventure. Or, si. Bah non, que quelqu'un la ramasse, je vais pas faire le porteur. Et donc, on s'éloigne. Je pense qu'on peut faire demi-tour. On a dû visiter toutes les zones. Alors, il y a des choses hein, qu'on n'a pas découvertes en. Enfin, qu'on a découvert mais qu'on n'a pas utilisé. Et je vais voir quand même au niveau du charpentier si je peux pas augmenter. J'ai pas pris le bon chemin. Si j'ai pris le bon chemin, je vérifie quand même hein, histoire qu'on se perde pas et qu'on perde pas trop de temps. Hop, même voilà, si on n'est pas pris par le temps, hein, voilà, c'est tout le principe du différé. Vous imaginez que c'est un live Twitch, hein, que c'est une rediffusion. Hein, puisque ça dure suffisamment longtemps et je suis en train de me planter de côté. Et donc là on avait un accès voilà ici, mais il n'y a pas d'accès. Et ce qui nous intéresse c'est de ce côté là on va contourner. Voilà, alors le pont, si le pont est là, l'arbre magique là bas c'est que les escaliers sont ici. Et normalement j'ai un charpentier si s'il y en a deux, et voilà, réparé. Voilà, tu vas récupérer la tablette hein, par contre s'il te plaît. On sera full life pour la prochaine aventure. On a 3 vies et toi tu fais quoi? Tiens, alors attends. Interagir, rapprochez-vous. Hop, que je tourne la caméra. Régénération, tout le monde est full, même lui. Toi tu fais quoi? On a un mineur. Par contre, il a que 3 options. Il n'en a pas 4. On va regarder qui est-ce qu'on peut virer. Donc on a charpentier. Là, on a ouvreur de coffre. Et donc c'est toi qu'on va demander de retourner au doc. Parce que ça sert à rien d'avoir deux serruriers. Ah par contre, est-ce qu'il réanime l'autre? Ah non, tu réanimes pas toi. Par contre, t'es mineur. Il m'aurait fallu un mineur qui régène de la life. Donc quitte à choisir, je vais te laisser sur place. Tu sais, c'est que j'aurais besoin d'une mineure. Ah mais si, régène de la vie, regarde-moi ça. Donc on va en virer un.
on va virer Will Smith. Viens donc par ici. Je vais t'écarter. Enfin, tu vas rester sur le quai parce que j'aurai peut-être besoin de toi dans le futur. Ouais, tu seras toujours le bienvenu dans l'équipe. Hein. Hop, ici, voilà. On ne fait pas de différence. Alors, let's go. Et retour au bercail. Et j'ai laissé une tablette derrière moi, comme un fait exprès, qui est ici. Donc s'il te plaît que quelqu'un la ramasse. Non, on n'a pas été la chercher pour rien. J'aurais pu sauter, mais j'aime bien faire le tour. Hop, on va emprunter les escaliers. Tout se fait parfaitement bien. Bon, c'est bien ça, troisième petite vidéo, tranquille. On va naviguer. Et est-ce qu'on a moyen d'accéder au boss? Donc c'est pas la peine que je casse des buissons, que je m'engage dans la bonne direction. Ça ne va pas faire trop de différence. Revenez par là, revenez par là. Je vais en profiter d'être full life pour pas aller embêter les vilaines bêtes là-bas. Et on va revenir. Alors on aurait le choix hein, d'explorer toute la map. J'ai loupé quelque chose. Hein. Alors attendez, ce qu'on peut faire, c'est que je vais leur demander de rester là. Je vais peut-être en garder un avec moi. Alors venez à ramener les tablettes. Je vais peut-être en garder un membre d'équipage avec moi. Et histoire d'assurer ma survie. Les autres, je vais leur demander de rester ici. On va aller shooter la plante. Donc celui qui va rester, c'est le dernier que j'ai recruté. Quoique. Là, j'ai un ouvreur de coffre. Je vais peut-être. Ouais, alors je vais écarter celui-là. Je vais garder le personnage qui ouvre les coffres. Parce qu'on a déjà construit un pont. Des coffres, c'est ce qu'on croise le plus. Écarté, on va les recruter avant de changer d'île. Et puis, je vous ai dit que j'arrêtais la vidéo, mais j'ai pas fini. Hop, on va continuer de tourner un petit peu dans cette zone-là. Et on va aller voir la plante carnivore directement qui se trouve pas du tout ici. Qui doit se trouver ici. J'avais cru la voir. J'ai pas dû prendre le bon chemin. On va retomber dessus de toute façon. Ok, on a un nouveau personnage, ça. Il y a des sous-sous. Hop, j'ai pas dû prendre la bonne direction. J'étais pas bien orienté. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Parler. Oh, bah toi, t'as la totale. Donc, un charpentier, bah, viens avec nous. Hop, tant qu'à faire. Hop, tu seras le bienvenu. Malgré ton âge avancé, tu as le droit de venir te promener et d'intégrer la team. Hop, hop. Ici, il n'y a pas de guerre. Deux générations, hop, c'est parti. Je suis concentré sur ce que je suis en train de faire. Donc voilà, bon écoutez, il n'y avait pas grand chose à découvrir. Enfin, ça n'avait pas l'air. Tiens, bah un coffre, vous voyez, j'ai bien fait d'avancer. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Un gun. Je vais le laisser là parce que j'en ai déjà un. Et donc, elle était où cette plante? On a bien vu une plante là qui était vilaine, qui faisait pas plaisir. Elle était où? C'est une zone que j'ai pas explorée. Elle doit être juste là, je pense. Voilà, elle est là. Hop. Oh purée. Oh purée. Tiens. Et voilà. Pour l'XP. Bon, j'ai perdu un peu de temps. C'est que je viens de récupérer, donc comme ça tout va bien. Et on va pouvoir se laisser à bon port. Ici. Alors je vais recruter quand même mes personnages. On va faire le tri. Donc là, dans l'eau. Ils ressuscitent tous. Ils ont tous la capacité de me ressusciter. Donc, il me faut un mineur. Il me faut un mineur. Et le mineur, c'était lui, hein, il me semble. C'est lui. Voilà, même s'il a que 3 capacités, c'est celui qui m'intéresse parmi les autres. Il me semble pas que les autres le proposaient. Du moins, pour le niveau de la résurrection, c'est pas ce que je voulais faire. Si résurrection n'est pas mineur, et lui. Il fait résurrection et il est charpentier. Bon bah écoute, toi on va te sélectionner. On te recrute. Donc c'est les 3 seuls qui vont rester. Hein. Si tous les personnages m'accompagnaient, ça deviendrait un petit peu trop facile. Pas de tablette en vue. On va passer à l'île suivante. Hop, et puis je vais vous laisser. Donc je suis, tiens, regardez, ça tombe pile poil. Ça, la prochaine vidéo, on fait cette île là. Et si on survit, on se fait un boss. Yes! Et donc je vais sauvegarder et ce sera le tout pour aujourd'hui. On va garder les tonneaux
à bousiller petite biche là des personnages qui faisaient du sur place. Et donc voilà. Donc bah c'était l'épisode 3. J'espère que ça vous a plu comme moi ça m'a plu. En tout cas moi ça m'a plu, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Je vous mets le lien du jeu dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas d'essayer de l'avoir en promo à 2 ou 3 euros, hein, 5 maximum. 15, ça fait beaucoup trop, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Bref, un bon petit jeu, casual, si vous aimez le genre. Je vous mets ça dans le descriptif. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Et ciao. Bye.